Nous sommes venus vous dire que le Seigneur est vivant. Et voilà, même maintenant, nous devons arrêter là, et l'œuvre qui a commencé avec chacun de vous. Et important, il va achever. Et frantique, oui, il est intérieur. Celui qui a une relation avec Dieu. S'il pêche, il va être attristé tout de suite. Il n'aura pas besoin qu'un prédicateur lui dise Dieu a péché. L'esprit en lui sera attristé. Et l'enfant de Dieu va pleurer. Il va se repentir. Et instantanément, il va recevoir la paix de Dieu. Romains chapitre 8 nous dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas le témoignage d'un homme. Ce n'est pas un prêtre qui va te le dire. C'est Yahshua qui peut te le dire. Le Saint-Esprit te dira, tu es agréable maintenant à Dieu. Dieu, tais-toi, a quitté nos bâtiments. Je dirais plutôt, Dieu n'a jamais été dans nos bâtiments. Dieu dit dans Ésaïe 66, le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Quelle maison allez-vous me bâtir? On peut plus aller voir Dieu. Parce qu'il est à nous déjà. Alléluia. Alléluia. Et celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que celui qui pratique le péché, alors qu'il a la connaissance de la parole, Hébreu nous dit, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Ne pleurez plus parce que les pasteurs vous ont chassé de leur royaume. C'est une grâce. On peut vous chasser du royaume pastoral, mais on ne vous chassera jamais du royaume du Père Céleste. Dieu est mon Père. Que peuvent me faire les hommes? Beaucoup n'ont pas reçu l'amour de leur père. Un père absent. Un père alcoolique. Un père irresponsable. Un père violent. Il n'y a pas de dialogue. Et le Père Céleste, il est là. Et il t'attend. Et te dit, Emelia. Tu as couru après les pasteurs. Tu es déçu. Tu as donné beaucoup d'argent. Tu as donné 15 ans, 20 ans, 30 ans de ta vie. Et aujourd'hui, le Père vient. Et il te dit, ma fille, j'ai toujours été là. Je ne t'ai jamais délaissé. Son amour veut te couvrir. Il est le seul qui ne peut jamais nous décevoir. Et quand je le prie, je lui dis, Père, je t'aime. Tout ce qui m'intéresse, c'est toi. Le ministère ne m'intéresse pas. Voyager ne m'intéresse pas. Prêcher ne m'intéresse pas. Tout ce que je veux, c'est être avec toi. Tout ce que je veux, c'est demeurer dans ta présence. Tout ce que je veux, c'est te connaître. Et le pan de sa robe me couvre. Et là, je fonds en larmes. Et il me dit, je t'aime. Et il me dit, Seigneur, je t'aime aussi. Du coup, je refuse de pécher parce que, non parce que j'ai peur de Dieu, j'ai peur qu'il me frappe, mais parce que je ne veux pas le blesser, parce que je l'aime. Ce n'est pas un Dieu qui est là après ton argent.
Alors, viens au Père. Et là, tu peux toi. Quitte la religion. Et fais-moi et tiens-moi. Viens, Dieu. Fais-moi et tiens-toi. Désire-le. Et aïe, aïe. Ah oui, il va te répondre. Ah, eh, pardon, mais oui, il y a. Dieu est ton Père, désormais. Merci, Jésus. Oh, frère. Je vois ta souffrance et te délivre, te guérit. Il est ton père. Il a vu ce vide dans ton cœur. Il le comble. Il le comble. Oh Père, merci. Oh, Dieu l'aime. Dieu l'aime. Beaucoup d'enfants, laisse chanter. Le Seigneur t'aime, le Seigneur dit, fortifie pour être courage. Il y a un appel sur ta vie. Tu vas servir le Seigneur. Il y aura beaucoup de combats. Tu connaîtras beaucoup, beaucoup de combats. Mais si tu restes fidèle au Seigneur, grande sera ta couronne. Mais Seigneur, merci. Il y a une grande maison que Dieu prépare encore. Un grand jardin, un grand terrain. Dieu a vu tes combats. Dieu te dit, je t'aime ma fille. Je te connais ma fille. J'ai vu tes combats, tes épreuves. Le Seigneur te dit, il t'a fait des promesses, il va les accomplir. Pendant ce programme, pendant cette mission, Dieu va te visiter particulièrement. Une onction sur elle. Oh Dieu, voici la puissance de Dieu. Lâche-la. Dieu voit tes larmes, Dieu voit tes combats. Alors on sort. Sors! Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Sors! Un serpent. Regardez. Quelqu'un est venu, c'est Jésus. Il m'a touché et m'a touché.